Bonjour à tous et à toutes, c'est Zertri, aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une nouvelle série sur le mode Ultimate Team de Madden NFL 15. J'ai acheté le jeu très récemment, ça faisait un petit moment que je voulais me l'acheter mais il était toujours un petit peu cher et là en fait il y avait une offre pendant le week-end du Super Bowl où le jeu était à 29,99€ sur le store de la PS4 et donc j'ai décidé de me le prendre parce que c'est vrai qu'on... En boîte, il est encore à 45-50€, même en d'occasion. Donc je me suis dit pourquoi pas. Alors ça, il faut savoir que je connais pas grand chose au football américain et j'ai joué un petit peu en solo histoire de m'habituer un petit peu au jeu, même si bon, j'ai un niveau encore un peu nul. Et voici mon équipe hein, avec des joueurs que j'ai eu sur le pack d'entrée. Forcément, mon équipe actuelle. J'ai eu par contre Sherman parce que vu que j'ai commencé à jouer à ce mode Ultimate Team. Pendant le week-end Super Bowl, bah, c'était une offre en fait. Si vous commenciez ce mode Ultimate Team pendant le week-end Super Bowl, bah, vous aviez soit Sherman, soit un joueur des Patriots. Moi j'ai eu Sherman. Donc voilà, un petit peu pour mon équipe actuelle. On va essayer de se faire un petit match Ultimate Team en ligne. En espérant qu'on puisse trouver quelqu'un et pas quelqu'un que, de préférence qui soit très très fort. Parce que quand j'ai commencé à jouer au jeu, je me suis dit allez, on va aller en ligne. Putain, je me suis fait exploser quoi. Donc je me suis dit bon. On va y aller faire quelques défis solo parce que sinon ça va pas le faire. Eh, c'est parti pour ce premier match. Alors il faut savoir aussi que c'est mon tout premier Madden donc là. Je suis vraiment un novice de partout quoi. C'est incroyable donc n'hésitez pas si jamais vous avez le jeu ou que vous ne connaissez un peu le foot américain à me donner un peu des conseils sur des joueurs peut-être à acheter sur le marché, là, sur les enchères et qui sont pas très chers et qui peuvent être sympas. Parce que c'est vrai que bon. Là pour moi c'est un petit peu compliqué. Ouf, voilà le gros tac là. Bon c'est lui qui a le ballon pour commencer le match. Donc ça veut dire qu'à la mi-temps c'est moi qui l'aura. Bon je connais un petit peu quelques règles quand même. Un petit peu, bon j'ai joué un petit peu en solo. Donc j'ai un petit peu appris on va dire les bases du bordel. Par contre voilà. C'est vrai qu'après toutes les petites subtilités qu'on peut avoir au niveau de la défense, au niveau de l'attaque etc. Là pour le coup je suis complètement novice. Donc j'essaie de faire au mieux avec mes compétences, on va dire, qui sont pas beaucoup, qui sont pas très 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 nombreuses. Ah, tacle-le, bordel. Oui, voilà, putain. Il a quand même gagné quelques yards, il me semble. Allez, third down pour mon adversaire, 12 yards à faire. Là, il faut vraiment bien défendre. Non. Ah putain, il l'a eu. Ouf. Il a pas pu avancer. Du coup, fourth down, 10 yards à faire. Est-ce qu'il va... Ouais, il va balancer le ballon. Donc on a bien défendu. Ça c'est bon là, clairement, parce que la défense c'est forcément... c'est un truc qui est pas évident à gérer. Oh là, il a mal balancé là, je trouve. Ouh, c'est bon. Oh, putain, on la récupère assez haut dans le terrain. Il a super mal balancé le ballon. Super mal balancé son ballon, on la récupère assez haut. Ça c'est vraiment très très bon. Bon allez, on va commencer... une petite course, on va courir un peu avec le running back. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Franchement on est bien positionné. On va essayer de passer ici. Hop, au milieu. Oui. Allez, oui. Alors clairement bien joué pour ce premier coup offensif. C'est pas mal du tout. Bon, on va dire que la course ça marche bien. On va continuer un petit peu à courir. Donc pour l'instant, avec le running back, ça marche plutôt bien. Donc on va continuer avec lui. On va continuer à courir. Ah, cette fois-ci, il m'a bien stoppé. Ouais, faut peut-être que je varie un petit peu mes actions. Parce que là, il commence à comprendre que depuis tout à l'heure, je ne fais que courir. Donc il faut que je change un petit peu ma tactique. Cette fois-ci, on va essayer de faire une passe. Oh oui! Oh non! Putain, c'était bien vu quand même la passe! Non! Oui, tacle-le! Ah là 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 là, je l'avais vu tout seul! Mais il... Ah là là, belle interception, il n'y a rien à dire. Je l'avais vu tout seul sur le côté droit, mon coéquipier. Mais malheureusement pour moi, il l'a vu lui aussi. Il a bien intercepté. Alors je sais pas si c'est l'ordi ou si c'est lui-même qui l'a intercepté. En tout cas, c'est bien joué de la part de la défense. C'est dommage parce qu'on avait plutôt bien géré cette offensive. Ah c'est vraiment dommage, bon. Il est quand même assez loin, on va dire, il a quand même pas mal de terrain à remonter. Ouais, c'est une passe. Oh c'est une passe, c'est risqué. Oui, récupère le ballon. Allez, part sur la droite, speed move. Ah là là, dommage.
Oui, il s'est précipité, il a fait un peu de la merde. Et on a pu récupérer ce ballon. C'est un petit peu compliqué quand même. On va essayer. On va essayer de passer au middle. On va essayer de passer au middle. Oui, on a gagné quelques yards quand même. On a gagné, ouais, on a gagné 6 yards. C'est pas mal du tout. Je pense que je vais retenter d'y aller avec le running back. Il est où? Putain, il est où? Il me faut un truc courir là. Putain, je peux pas courir. Putain, c'est nul ça. J'ai. Ouais, putain. Bref, je trouvais pas de truc pour courir. Il faut que j'y fasse vite. Faut que je fasse vite. Faut que je fasse vite. Non! Oh là là, que c'est mal joué! Que c'est mal joué! Que c'est mal joué! Bon, on va prendre le field goal. On va essayer de prendre le 3 points. Normalement, ça devrait être bon. Normalement, ça devrait être bon. Oui, voilà, on prend le field goal. On prend 3 points, c'est déjà ça. Faut vraiment que j'arrive à avoir ce stop. Oh oui! Oh oui! C'est bien joué, Davis qui récupère ce ballon. Voilà, belle récupération. Il s'est précipité sur le third down. Et il a perdu ce ballon encore une fois. Beau stop pour nous. En plus, on est bien positionné sur le terrain. Il y a moyen de faire quelque chose d'assez intéressant. Allez, oui, arrache-toi. Oui, oui, et j'ai le first down. J'ai le first down. Ça, c'est bien joué. Clairement, mon running back, il me fait vraiment de plaisir sur ce match. Très clairement. Hop. Ah, il m'a bien stoppé. Ah là là, c'est bien défendu. C'est bien défendu. Très très bien défendu de sa part. Bon, du coup, je prends le field goal. Hop. Voilà, on prend le field goal. Bon, c'est dommage, hein. C'est dommage. Je voulais vraiment y aller pour le touchdown, mais bon. On prend 3 points supplémentaires. Ça fait 6-0. Bon, avec un touchdown, il peut me passer devant, ça c'est clair et net. Mais au moins, pour l'instant, on est devant quand même. Et pour l'instant, on va dire que défensivement, on n'est pas trop mauvais. Donc peut-être qu'on va réussir une nouvelle fois à reprendre ce ballon. Oulala, gros tacle là. Gros tacle. C'est beau. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir le ballon à la mi-temps. Parce que c'est lui qui a eu le ballon en tout début de match. Donc c'est plutôt pas mal ça. Encore une fois, third down pour lui. Il a 5 yards à faire. Allez, j'espère qu'on va pouvoir le stopper. Oui, oui, Sherman qui récupère ce ballon. Allez, Sherman. Voilà. On récupère ce ballon. En plus, on n'est pas loin de la fin de ce. Après un temps mort pour arrêter le chrono. On n'est pas loin de la fin de ce. On peut faire quelque chose là. On peut faire quelque chose. Ne serait-ce qu'un petit field goal là. Parce qu'on est pas mal positionné. Ouais, on est plutôt bien là. Si on peut gagner 10-15 yards, ça serait déjà pas mal. Alors là, du côté droit, ça m'a l'air pas mal du tout. Ça m'a l'air pas mal du tout. Le côté droit, un peu précipité. Un peu précipité là pour le coup. Allez, on repelle un temps mort. Oui, c'est bien joué. Non, putain, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Bon, je crois que je suis quand même. Alors, est-ce que je suis à distance d'un field goal ou pas? Si je suis pas, je vais la tenter. Non, je vais la tenter. Je vais la tenter. Formation. Je vais la tenter. Je vais la tenter parce que j'ai pas grand chose à perdre là. Ils m'ont plus beaucoup de temps. J'ai pas grand chose à perdre. Si on peut faire ça vite. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Oui, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Oh putain, par contre, j'ai plus de temps mort. J'ai mal joué le coup par contre. Ah là, j'ai mal joué le coup. J'avais plus de temps mort. Ah, j'aurais pu prendre un field goal là, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Cette fois-ci, on va essayer de courir plein milieu. Oui, je l'ai, le first down. Voilà. On l'a. Ça, c'est bien. Clairement, mon running back, il fait vraiment des merveilles sur ce match.
Oui, c'est bien joué pour le triant. Oui. Ah putain, je crois que je l'ai pas eu, mais je suis à rien du tout. C'est bien joué. La petite passe au-dessus là. Je l'ai eu ou pas? Ah oui, je l'ai eu, je crois. Je l'ai eu, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On a gagné. Je l'ai eu le first down. Donc on continue. Oula, le middle, il y a personne quoi. Milieu là, il y a personne. Personne. Là, je cours tout droit. Je cours tout droit là. Oui. Oui, attends, est-ce que je l'ai eu? Je sais pas si je l'ai eu, mais si je l'ai pas eu, je suis à rien du tout. Ouais, je suis à rien du tout de l'avoir. Bon, on va courir. Hein. On va courir, on est à rien du tout de l'avoir. Donc on va courir. Oui, ça s'est bien joué. Je l'ai eu. Ça c'est une grenade, je l'ai eu. Voilà, le first down est pour moi. Allez, cours. Voilà, tout droit. Et ça passe. La défense qui n'a pas réussi à me stopper. Ça passe. On prend encore quelques yards. Ça c'est très très bon. Croix ou carré, ça serait pas mal. C'est pas mal ça. Oui. Oh oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout cette passe. Très 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 belle passe. Et on est vraiment à rien du tout d'avoir ce touchdown. On n'est vraiment pas loin du tout. On va courir. On va la donner. On va la donner derrière. On va courir. Je vais aller tout droit middle. Tout droit middle. Touchdown. Voilà le touchdown. Mon tout premier touchdown. Dans cette j'ai pas envie d'aller pour deux. Je veux non. Pourquoi je veux pas aller pour tout, putain. Comment on fait? Putain, il me dit d'aller pour deux. Bon, allez, on va aller pour deux. Je sais pas comment on fait. J'avais même plus comment on fait. Je voulais juste prendre le field goal et il me dit d'aller pour deux. Pour la conversion des deux points. Et moi, je voulais pas vraiment, quoi. Putain, en plus, j'ai perdu du temps. Super. En plus, j'ai perdu du temps. Bah, j'ai rien compris là. J'ai rien compris ce qui s'est passé. Donc là, c'est ma partie novice complète là. C'est ma partie novice complète, forcément. Bon, du coup, j'ai perdu des yards, forcément, avec cette connerie. Donc, du coup, c'est la conversion à deux points. Si je l'ai dans la zone, c'est bon. On va voir ce qu'on peut faire. Ah, il est sorti. Dommage. Bon, il n'y a pas de deux points pour moi. Mais je voulais pas ça. Je voulais le field goal. Mais putain, il me suggérait que de la conversion à deux points. Et je la voulais pas. Je savais pas comment je faisais pour chercher. Si vous le savez, comment vous faites pour chercher le field goal là. Parce que là, il me proposait pas le field goal là. C'est un peu relou. Je voulais pas la conversion des deux points. Voilà. Début de troisième carte. De quatrième carte. Ah, je crois qu'il l'a eu quand même. Il faudrait vraiment lui faire perdre le plus longtemps possible là. Très clairement. Parce qu'on a quand même. Il est loin là, quand même de nous. Il en a 12 points d'avance. Un touchdown, c'est 6. S'il prend le field goal, c'est 7. S'il prend le 2 plus, ça fait 8. Donc il est quand même loin. Quoi. Donc bon, il faut vraiment que nous, j'essaye vraiment de lui faire perdre le plus de temps possible. Et second down pour mon adversaire. C'est un moment très important de ce match. C'est un moment très important. Allez, allez, oui. Oui, c'est bon ça. On arrive à le stopper. Third down. Il a 9 yards à faire. 9 yards à faire, clairement il faut qu'on sorte un beau stop défensif. C'est un moment très très important dans ce match. Avec ce third down, avec 9 yards à faire. Avec 9 yards à faire. Oui, Johnson qui prend ce ballon. Allez. Ah dommage, dommage qu'il est tombé. Mais on récupère ce ballon, ça c'est très très important pour nous ça. C'est très bon ça. Et je crois que... Attendez, mon adversaire il a appuyé sur start. Est-ce qu'il va quitter le jeu? Et voilà, voilà, premier match sur le Madden Ultimate Team et premier rush kit. C'est incroyable, mais bon. Une victoire pour moi, ça fait plaisir. Une victoire pour commencer ce Madden Ultimate Team, cette série sur le Madden Ultimate Team. Ah franchement, je pense que c'est le plus beau match que j'ai fait depuis que j'y joue, quoi. Clairement, j'ai sorti mon plus beau match, j'ai fait défensivement, j'étais plutôt bon. Et j'ai réussi à faire un touchdown et deux field goals, c'est pas mal du tout.
J'espère en tout cas que cette nouvelle série sur ce mode Ultimate Team de Madden NFL 15 va vous plaire. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner des conseils, etc., etc., parce que forcément, j'en aurai besoin. Merci à tous et à toutes qui ont suivi cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !